Alors bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo troll, donc full ballon. Parce que je viens d'avoir mes ballons aussi, je vais vous faire bientôt une vidéo sur les ballons aussi également. Et vous venez de voir que je suis un champion. Oui, j'ai rushé pendant un bon bout, j'ai atteint le champion. Je vais vous faire une vidéo best of de mon rush. Il y a des gameplays vraiment extraordinaires. Pas une belle technique d'attaque, mais que je trouve 45 trophées sur des HDV8 avec 300 000 de ressources de chaque, plus le bonus, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif de ça dans une prochaine vidéo avec un best-of. Là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce petit gameplay au ballon. Donc mon but était d'aller chercher l'élixir noir et de gagner parce que j'avais eu assez pour améliorer ma reine niveau 8 directement. Là, il manquait dans le fond. Il manquait 2000 quelques, donc avec les bonus de 2200 ça y allait, donc si j'allais jusqu'au centre. Donc là on peut voir que les ballons ont fait un gros boulot, qui ont vraiment fait le taf et qui ont éclaté beaucoup de structures défensives. C'est sûr que ça aurait sûrement mieux été avec les molos, et si j'avais envoyé les disrupteurs, si j'avais plus de disrupteurs encore mieux je crois. Mais en fait, c'est les serviteurs du Shadow Clan parce qu'évidemment, c'est le concept, c'est le full ballon. Mais juste dans le Shadow Clan, j'avais quelques serviteurs. Donc, pour gratter. Donc là, j'avais mon roi pour gratter également parce que les serviteurs, ça allait être trop long et je voyais le temps qui défilait. Donc, j'étais sûr que j'allais faire le 50%. Par contre, les deux étoiles, ça allait être difficile. Mais ça me dérangeait pas tant que ça parce que, tu sais, il y avait trop de trophées à prendre. Qu'est-ce que je voulais, c'est vraiment juste l'élixir noir et vous montrer ce gameplay qui est assez drôle quand même de voir la masse de dragons, des ballons qui foncent comme ça, puis avec les petits sorts de rage qui va les enrager. Donc là on peut voir que j'ai balancé ma reine, il y a deux serviteurs à côté. Les serviteurs sont allés sur le socle de la reine adverse. S'ils ne seraient pas allés, la reine serait allée au centre. C'est plutôt dommage parce que si les serviteurs n'auraient pas défoncé le socle de la reine adverse, la reine serait rentrée, puis elle aurait cherché l'élixir noir, tandis que là, elle allait tourner. Je vais laisser continuer l'attaque, parce que ça me tentait de vous... pas d'arrêter pour les héros, quand même, faire un petit gameplay qui fait plaisir. Donc là, c'est ça. Donc ça touche vraiment la fin, ça finit à cause du temps. Donc voilà. Sinon, je vais juste vous dire que je vais faire d'autres vidéos très bientôt. Et que également ceux-là qui me suivent sur Chou. Donc je vais faire des lives de Clash peut-être bientôt. Et je vais continuer à en faire sur Minecraft. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.